Good morning, Aleïden, les sujets aujourd'hui, le Nishmat Abraham de Chaï Ben Israël, de Fanny, de Vora, Batester, ainsi que le Dirkfouat Abraham Ben Masoud, de Torcher, de Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez à 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sérati Abraham de Perekret, Mishnah Gimel, Amoni, Omoavi, Asurim, Vesuran, Isur, Olam, Avalnik, Vehen, Mutarot, Miyad, Mitzri, Va Adomi, Enam Asurim, Ela Ad Shloshadot, Echad Zharim, Ve Echad Nekevot. Rabbi Shimon Matir, Et Anekevot, Miyad. Je m'arrête pour le moment, on explique déjà de quoi on parle, parce que c'est une question un peu longue. Amoni ou Moavi, maintenant on va s'intéresser, dans tout ce chapitre d'ailleurs, on s'intéresse à toutes les personnes avec lesquelles on n'a pas le droit de se marier. Il y a un interdit, il y a un interdit de lave. On a évoqué jusqu'à maintenant l'histoire du Harel, du Ptsua Dakar, on avait évoqué jusqu'à maintenant le Ptsua Dakar. Ptsua Dakar, c'est celui au Kourou de Chofra. Celui qui s'est fait castrer, il n'a plus le droit de se marier. Et maintenant, on va découvrir plusieurs cas encore. Il y a Amoni ou Moavi. Amon, le peuple, quelqu'un qui vient du peuple de Amon ou de Moav. Asurim, ils sont interdits de se marier. Lo yavo Amoni bikal Hashem. Velo yavo Moavi bikal lekal Hashem. Ils sont interdits de se marier. Ve isuran isur olam. Et ils ont. Et leur interdit est un interdit éternel. Soit, il faut bien comprendre, dans tous ceux qui n'ont pas le droit de rentrer, il y a marqué, dans, littéralement dans les mots de la Torah, il y a marqué que le Yavo Bikal Hashem, il ne rentrera pas dans le peuple d'Israël, dans le peuple d'Hashem. Ils ont le droit de se convertir. Ils n'ont pas le droit ensuite, quand ils se convertissent, ils peuvent se convertir, et une fois qu'ils se convertissent, il n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. D'accord? Mais par contre, il a le droit de se marier avec une Guillorette. Où ils peuvent se marier entre eux. D'accord? Et maintenant, la Mishnah me dit, ben, tu sais que maintenant, lorsqu'il y a un Amoni qui va se marier, qui va se convertir, il n'a pas besoin avec une Bat Israël, il va se marier avec une Guillorette. Son fils qui va naître, il aura le droit de se marier avec une Guillorette de nouveau. Mais il n'aura pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Et la Mishnah vient, l'enseigne, Isuran, Isur Olam, leur interdit, l'interdit éternel. C'est-à-dire que même après 10 générations, 15 générations, il reste une Mishpacha de Amoni ou de Moavi qui n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Par contre, Avalnik votehen mutarot, miyad, leurs femmes, les femmes qui viennent de Moab, elles ont le droit, elles, de se convertir et de se marier. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire avec Ruth, qui était une Moavia, et l'histoire avec Naama Ammonite, la femme de Shlomo Amelech, qui était aussi une Ammon, cette fois-ci. Hein, parce que la Torah elle, a insisté que, dans l'interdit de se marier avec eux, la Torah elle, a précisé la raison. Parce que, quand vous êtes sorti d'Égypte, vous avez demandé à passer par Amon et Moab, ils ne vous ont pas laissé passer. Au lieu de vous accueillir, au lieu de vous aider à rentrer à passer par chez eux, en vous donnant à manger, vous êtes fatigué du chemin, comme ça vous pourrez rentrer vite en Israël, ils sont sortis pour vous faire la guerre même, vous avez contourné, mais donc vous ne pourrez pas vous marier pas avec eux, on les a bannis. Cependant, la Torah explique, la Gemara explique, que, ça en aurait été une discussion, on verra ensuite, mais pour le moment je l'introduis tout de suite, que ceux qui auraient dû sortir vous rejoindre à votre rencontre, c'est que les hommes, les femmes, elles n'ont pas à sortir pour aller accueillir des étrangers. La femme, elle reste dans la maison de Tsnoa. Michel Darkolatset, celui qui aurait dû sortir et qui n'est pas sorti, alors lui, la Torah l'a puni. C'est de là qu'on était de Resh, Amoni ou Moavi, et pas Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit. C'est pour ça qu'on a une route à Moavia, elle avait le droit de se marier avec Boaz. Et c'est comme ça qu'elle a donné naissance à David Amalek. Sinon, David Amalek aurait été un interdit de se marier avec l'âme Israël. D'accord? Ça, c'était donc pour Amon ou Moav. Maintenant, on a encore d'autres cas qui s'appellent Mitzri va Adomi. En Amasorim Ela Ad Shlosha Dorot. Le Mitzri, c'est le peuple qui vient d'Égypte. De l'Égypte antique. Tout ça, ça s'est perdu aujourd'hui. On ne sait pas c'est qui l'Égypte, c'est qui le Adomi. Tout ça et tout a été mélangé depuis que ça nous arrive. Mais en tout cas, voilà, initialement, Mitzri, c'est quelqu'un qui vient de l'Égypte de l'époque de Paro, va à Domi, aussi qui vient du peuple de Edom, qui, alors dans ce cas-là, Enamasurim Elad Shlosha Dorot, ils ne sont interdits que durant trois générations. C'est-à-dire ceux qui sont convertis, le fils qui va naître, le petit-fils qui va naître, et Echad Sarim Vartne Nekevot, même les hommes comme les filles, les femmes. Tout le monde est interdit, jusqu'à 3 générations, mais la 4e génération ne l'a même permise. D'accord? Donc on a dit, ça c'est pour Mitzri et Edomi. Vous avez bien compris? Donc regardez, il y a Amon ou Moav, c'est tout le temps, éternellement, mais que les hommes et pas les femmes.
Et Mitzri et Edom, c'est les hommes et les femmes, mais que durant trois générations, quatrième génération de l'ayant permise. Une fois qu'ils sont convertis, à la quatrième génération des convertis qui ont se marié entre eux, avec les convertis et tout ça, quatrième génération, elle deviendra permise. Sur ça, on a hein, Rabbi Shimon m'attire et Tanekevot Miad. Rabbi Shimon, il va nous dire non, oh, pour l'histoire du Mitzri et Domi, les femmes, elles sont permises tout de suite aussi. Et Rabbi Shimon nous déduit maintenant sa logique. Amar Rabbi Shimon, il a dit, Kalva Chomer Advarim, je le déduis par raisonnement par a fortiori. Uma im bimkom she'asaret azcharim, isur olam, itiret hanekevot miyad. Dans le cas que je constate que lorsque la Torah, elle a interdit les mâles, les hommes, pour l'éternité, malgré tout, la Torah l'a permis, les femmes. Makom shelo asar ela et azcharim elad shlosha dorot. Donc, dans un endroit où la Torah elle a dit que les garçons sont interdits que durant trois dorot, enodin shenatir et anekevot miyad, n'est-ce pas plus forte raison qu'on va permettre les femmes depuis tout de suite? C'est-à-dire, il nous compare en fait les deux cas. Il y a Amon Moav et Edom et Misri et Edomi. Et il nous dit, regarde, Amon Moav, t'es très mahmir. Tu dis jusqu'à 10 dorot, 10 générations. 10 générations, tu interdis Amon Moav. Et tu dis que les hommes et pas les femmes. Eh ben écoute, déduit par raisonnement par a fortiori dans ce cas-là. Et Amon Moav, je suis très mahmir, et malgré tout, je permets les femmes. Mitzri v'Edom, que je suis moins mahmir, que je permets à partir de la quatrième génération, n'est-ce pas plus forte raison que je vais permettre les femmes et interdire que les hommes? C'est le raisonnement de Rabbi Shimon. Et sur ça, Chachamim lui rétorque, Kamrulo, ils l'ont rétorqué, Im halacha nekabel, im ladin, yesh tshuva. Si c'est une transmission que tu détiens dans tes mains, de dire que Mitzri et Edomi, on les permet après quatre générations, et les femmes, elles sont permises tout de suite. Nekabel, j'accepte. Tu me dis que t'as ton rav, il t'a transmis jusqu'à Moshe Rabbeinu, on va pas discuter. Mais par contre, Vim Ladin, mais si c'est par déduction, par raisonnement, par a fortiori, eh bien, yesh tshuva, il y a de quoi répondre. C'est pas une déduction par a fortiori logique. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que Amon ou Moav, quand on permet les femmes, c'est pas parce qu'une femme, on va pas l'interdire. C'est spécifique par rapport à la raison pour laquelle la Torah l'a explicité l'interdit de Amon ou Moav. Alors, il n'y avait pas lieu d'interdire les femmes. Mais Edom et Mitzri et Edom, la Torah ne nous a pas donné de raison particulière pourquoi ils sont interdits, eux. La Torah nous a dit. Donc là, cette fois-ci, tu ne pourras plus déduire qu'une permission pour les femmes. Lorsqu'il y a une raison pourquoi les femmes, je ne les punis pas, pourquoi les femmes, je ne les exclus pas, alors je les permets pas. Alors, il y a une raison, mais lorsque la Torah n'a pas donné de raison, alors il faudra les interdire. D'accord? Amar Laem et leur a rétorqué Rabbi Shimon Loki. C'est pas juste ce que vous dites, parce que Halakha ni Omer. Ce n'est pas comme ça, mais Halakha ni Omer, je vous en sachez que j'ai une transmission comme ça. En réalité, Rabbi Shimon Ben Yochai, il nous dit cette fois-ci qu'il y a effectivement une transmission comme ça. Nous, pour l'Halakha, on ne va pas retenir cet avis. On ne retient pas cet avis, on pense que Mitzri et Edomi sont interdits, les hommes comme les femmes, pendant trois générations. Ok? On continue avec le dernier cas de la Mishnah, Mamzirin Onetinin, Asurin, Veisuran, Isur Olam, et Chadzharim, Lechanekevot. Avec maintenant une nouvelle famille problématique, ce sont les mamzerines, les bâtards, ceux qui sont nés d'une union interdite, comme on a longuement évoqué comment est-ce qu'on fait un mamzer, avec une relation avec une femme qu'on ne pouvait pas avoir de kiddushin. En l'occurrence, ça peut être une femme mariée, ça peut être avec une proche parent qui n'a pas de kiddushin, parce que c'est sa sœur, c'est sa mère, c'est sa fille, c'est ce que vous voulez. Et ça, c'est les mamzerim. Quand il y a un mamzer qui naît, il reste mamzer pour l'éternité, c'est-à-dire que même s'il va se marier avec une bat Israël de manière interdite, son fils il aura un statut de mamzer, et ainsi de suite, jusqu'à même 10 générations, 20 générations, si ça peut arriver. La Gemara nous assure que les mamzerim, qui ne sont pas déclarés, qui sont en cachette, ils finissent par mourir jusqu'à 2 ou 3 générations. La Gemara le dit comme ça. Dans les Yevamot, à une chet à moudbet ou à une tête à moudbet. Là-bas, ça rapporte un livre qui me dit c'est sûr qu'Hachem, il les supprime du monde. Mais concrètement, supposons qu'ils sont restés. Ça peut arriver. La Gemara a proposé des solutions. Pourquoi des fois, si on s'en réputait pour être mamzerim, eh ben, c'est un défaut qui va jamais les quitter. Jusqu'à même plusieurs générations, il va avoir un statut de mamzer. D'accord? Là, ceux, ils sont interdits. Et des issouran, issouran. Ça, c'est pour le mamzer. Et echad sarim, echad nekevot, qu'il s'agisse des garçons comme des filles. Même une fille mamzeresse, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Elle est interdite. Ça, je vous ai expliqué c'est quoi le mamzer, mais je ne vous ai pas dit c'est quoi le natin. Natin, en réalité, c'est un peuple.
C'est un des sept peuples d'Israël, qui sont les Givonim, qui sont venus à l'époque de Yehoshua. Ils sont venus à l'époque de Moshe Rabbeinu pour se convertir. Après, ils sont revenus à l'époque de Yehoshua, ils ont fait une entourloupe. Ils se sont fait passer pour en fait un des peuples qui venaient de très loin. En réalité, ils étaient juste à côté, c'était les Givonim. Et on les a, et ensuite, et on les a, on a décrété qu'ils allaient être, on va leur donner un poste très rabaissant, comme ça ils vont rester un petit peu les esclaves d'Israël, en fait, un peu. Ça, ils vont être les Shoave, Chotve Tzim et Shoave Maim. C'est ceux qui vont couper le bois, et qui vont abattre les bois, les bûcherons, et les puiseurs d'eau. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'à l'époque de David et Menach, une histoire très triste, à l'époque de Shaoul, on va pas rentrer dans, c'est trop long à raconter, quoi. Regardez, donc, Dafpé, si je ne me trompe pas, il y avait un mode Dafpé. Une longue histoire avec Shaoul, à Menach, qui a constaté qu'ils étaient des gens très, qu'en fait, ils étaient très achzarim. Ils avaient des mauvaises midotes très, comment dire, au contraire de Rahman, de miséricordieux, ils étaient très, j'ai pas le mot, achzari. Ils étaient très achzari, mais on dit, ça c'est pas devenu Israël, ça. Et David Amelach, il interdit qu'on n'a plus le droit de se marier avec les Netinim. D'aucune manière, même s'ils se convertissent, d'aucune manière on pourra pas se marier avec eux. D'accord, ça c'est les Netinim, ils s'appellent Netinim parce que Natnu Otam, ils les ont donnés en guise de Chotvetim et Shoavemaim, en guise de puiseurs d'eau et de bûcherons. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.